شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيع من وقات شحال زيد ما زال تولي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيع من وقات شحال زيد ما زال تولي. Le Casino Impérial présente le festival gastronomique et culturel Le Temps du Maroc. Pendant 15 jours, l'Impérial Palace va vivre aux couleurs du Maroc, dans une ambiance parfumée et colorée, où le public pourra apprécier tous les soirs des mets de grande qualité. Le Maroc a toujours été une terre privilégiée pour le vin. Jacques Poulain et Boris Bille, de la cave Talvin, située sur le plateau de Ben Slimane, dans la région de Casablanca, proposent des dégustations de leurs meilleurs crus. Bon, alors, le sirop blanc, donc, c'est un vin blanc sec qui est élaboré à partir d'un cépage qui s'appelle au Maroc le farana. Alors, le farana, c'est un très vieux cépage. En fait, c'est un cépage à l'origine qui vient d'Espagne, qui a été planté en Algérie dans les années 1780 à peu près. Et lorsque les colons algériens ont quitté l'Algérie, ils sont venus s'installer aussi au Maroc. Les citronnés. Très frais, légèrement citronnés, agréable en bouche. Ouais. Très aromatisé. Hein. Oui, très fruité, très agréable. Bon, il y a effectivement un échange, on le voit avec l'élaboration de nouvelles cuvées, l'arrivée de nouveaux cépages. Et puis surtout, il y a un échange avec le reste du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une ouverture de grands vignerons, tels Alain Brunon, qui viennent au Maroc nous voir, parce qu'ils apprécient le travail. Et ils ont envie peut-être eux un jour de venir. D'amener peut-être aussi leur pierre à l'édifice, parce que c'est vrai que. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident quand on arrive comme ça d'essayer de prouver que déjà de comprendre que le Maroc est un grand terroir viticole. Bon, quand on est professionnel, on comprend assez vite. Mais la difficulté, c'était de trouver comment l'exprimer. Donc en fait, on est obligé de s'impliquer énormément. On travaille au quotidien avec des Marocains. Hein. On travaille au quotidien avec des propriétaires terriens qui sont là, qui sont marocains. Et en fait. C'est le Maroc, effectivement, ce que disait Boris, c'est vrai, on y a été accueilli et on essaye de rendre ce que le Maroc nous donne. Des conférences sur la phyto-aromathérapie et l'agriculture biologique sont présentées par le docteur Jalil Belkamel. Fondateur du jardin bio-aromatique d'Ourika, Jalil cultive dans cette oasis du Haut Atlas, perché à 840 mètres d'altitude, plus de 45 espèces différentes de plantes médicinales et aromatiques. L'aromathérapie, c'est les soins en utilisant les huiles essentielles ou les essences. Il y a la phytothérapie qui concerne les soins en utilisant les plantes directement via leur macération. La plante la plus connue chez vous, chez nous, c'est le thym, mais on trouve derrière la sauge, bien entendu la sauge officinale, parce qu'il y a quelques 350 espèces de sauge. Et j'ai envie de participer, de montrer que le Maroc, c'est aussi la plante, le Maroc, c'est aussi un certain nombre d'huiles, le Maroc, c'est toute une culture, à travers une culture, la culture de la plante, pour faire connaître la culture du Maroc. Est-ce qu'il y a une évolution de l'intérêt pour les médecines naturelles, pour tous ces produits ? Où il y a encore beaucoup à faire pour vendre. Dans l'action que nous sommes en train de mener, l'idée c'est d'encourager les gens à aller vers cette agriculture dite biologique, c'est-à-dire qui n'utilise pas d'engrais chimiques, de fertilisants chimiques. C'est très important pour l'environnement, pour la santé des individus lors de la consommation. Et ça fait travailler beaucoup de monde, l'agriculture biologique, contrairement à l'agriculture intensive. Et là, le fait de faire travailler du monde, ça contribue au développement durable. Et on en a besoin de faire travailler les gens et que les gens participent à des cultures, à travailler la terre. Et finalement, pour aboutir à un produit intéressant pour la santé et qui permet d'avoir des éléments nutritionnels valables. Voilà, n'hésitez pas de goûter les deux pour avoir une idée avec le pain, oui.
La gastronomie étant un des points forts de cette manifestation, des échanges de pratiques culinaires s'effectuent entre les deux pays. Deux cuisinières marocaines, également pâtissières, ont bien voulu partager leurs secrets et leurs tours de main avec Régis, le chef de l'Impérial, lui-même récemment revenu de Marrakech. C'est une cuisine qui est riche par rapport à la cuisine maghrébine en général. La cuisine marocaine est riche en épices, et pas épicée par le piment, c'est épicé par les épices. Donc c'est énormément de goût, beaucoup de cumin, de paprika, de gingembre. C'est une cuisine qui culturellement se rapproche peut-être de la nôtre en termes de savoir-faire, en termes de production, de plat à la base. Il ne mélange pas n'importe quel sucré, n'importe quel salé par rapport à nous en France, où on a tendance un peu à rendre la cuisine un peu originale dans tout le sens du terme. C'est vrai que là-bas, ils ont des sucrés qui vont avec le salé et vice-versa. Il y a des mélanges qui ne se font pas. Bon appétit. Hein. Merci, bon appétit. Purée de potiron, salade de concombre et tomates, salade de blettes, salade de fèves et méchoui de poivre. J'apprends à chaque fois que j'ai fait des voyages, j'apprends beaucoup de choses. Oui. D'accord. Au niveau de la cuisine, au niveau de la vie, au niveau des traditions, de tout. J'ai fait l'école hôtelière, alors 3 ans d'école hôtelière, ça veut dire je m'intéresse beaucoup à la cuisine française. Je m'intéresse beaucoup et au Maroc, je faisais tas de choses. Ouais. Je faisais la cuisine française aussi. J'espère devenir un chef en cuisine française. La viande de bœuf. Ah bon, avec les dattes? Oui, oui, avec des épices et de la coriandre. Ah, d'accord. Et là, des petites brochettes de poulet marinées avec, Des poulets. Dans le cadre de ce festival, 22 œuvres du peintre marocain Mehdi Kotbi sont exposées à l'Impérial Palace. Le vernissage de cette exposition, en présence de l'artiste, permet aux amateurs d'art de décrypter les différentes lectures possibles de ces toiles fortement imprégnées de racines marocaines. Bozo a été le patron du Centre Georges Pompidou. Il m'a dit ce qui est intéressant et passionnant dans ce travail, c'est qu'il a deux approches. Une approche qui est proche, ça veut dire d'un regard qui est proche, et celle où on recule pour mieux le regarder. Donc, ces deux visions, je dirais, sont deux visions de culture. Et là, je trouve que vous l'avez tellement bien exprimé, je ne saurais pas l'exprimer aussi bien que vous. C'est vrai qu'il y a cette culture occidentale, donc par le recul, vous ne voyez plus l'écriture disparaît, ça me nuise. Et vous avez une autre approche que j'appellerai une écriture à la recherche d'une culture. Vous vous approchez et vous apercevez immédiatement la présence d'une culture. Une culture ouverte, une culture contemporaine, une culture colorée, c'est-à-dire une culture pleine de vie et pleine d'espoir. Musicien Gnaoui, joueur de luth, danseuse du ventre, toute l'équipe d'artistes du complexe touristique chez Ali à Marrakech anime les dîners et partage avec les visiteurs les saveurs, les parfums et atmosphères particulières qui rendent les séjours au Maroc inoubliables. La communication de l'événement par les médias et le tournage d'une émission sur la chaîne locale TV8 Mont-Blanc assure l'information de cette manifestation auprès du public. Je vous le précise encore une fois, du 7 au 22 novembre, et l'exposition est ouverte au public tous les jours à partir de 17h30, et l'entrée est libre, c'est à la brasserie du parc de l'Impérial Palace. Voilà. Bien sûr, comme beaucoup d'autres manifestations, ce festival gastronomique et culturel ne pourrait avoir lieu sans la présence indispensable de partenaires de qualité comme Royal Air Maroc ou encore le Palmeray Golf Palace de Marrakech. Ce partenariat, il est vraiment très intéressant. Il est à l'initiative de l'Hôtel Impérial qui a voulu faire une manifestation marocaine, culturelle, marocaine, gastronomique, une manifestation globale sur le Maroc.
et qui a sollicité Royal Air Maroc et le Palmeri Golf Palace pour monter cette manifestation qui est un événement extraordinaire à Annecy, puisque ça fait maintenant plus de 4 ans qu'elle se déroule. Et c'est une manifestation autour de laquelle il y a une mobilisation assez importante de la population d'Annecy et des environs, puisque ça va jusqu'à Genève et puis jusqu'à Lyon, et je dirais Chambéry, Aix-les-Bains, etc. C'est une manifestation très intéressante. C'est une façon d'échanger toute notre culture, donc à la fois donc, gastronomique, culturelle et musicale. Et ça permet donc aussi bien pour nous de faire connaître donc, notre produit, qui est le produit Palmeri Golf Palace et la destination Marrakech, à travers donc, une gastronomie marocaine et une culture donc, marocaine avec sa musique, ses artisans et sa gastronomie. C'est à travers donc, la compagnie aérienne qu'on peut donc, amener tous les produits que vous voyez donc, ici pour pouvoir donc, faire cet événement donc, marocain. Et c'est une occasion de rencontrer donc, nos partenaires et de leur faire découvrir un petit peu le Maroc en dehors du Maroc. Les associations de partenariat se font uniquement avec des partenaires haut de gamme. Et parce que Royal Air Maroc est une compagnie qui a maintenant plus de 40 ans, mais c'est une compagnie qui tient absolument à la qualité et à bien servir ses clients, comme toutes les compagnies internationales. Le tourisme, ce n'est pas seulement dans le sens France-Maroc, mais il est aussi dans le sens Maroc-France, parce qu'il y a pas mal de Marocains qui viennent skier dans la région. Et donc, ça va de source, ça rentre dans le cadre historique des relations mutuelles qu'il y a entre la France et le Maroc. Je suis vraiment impressionné par le cadre de l'hôtel Imperial Palace, par son organisation, la tenue de l'établissement et tout ce qui a été fait, l'effort qui a été fait pour organiser cet événement. Les gens, ils ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie pour reproduire donc, toute la décoration marocaine à travers ses ustensiles, la cuisine, l'art et l'ambiance. Ils n'ont pas négligé le moindre détail et ça c'est vraiment très touchant, ça fait chaud au cœur, quoi.